Est-ce que je suis bien centrée? Parce que ce trépied-là, il est malade, là. C'est ça, je veux être sûre d'être bien centrée. Merci, merci aux personnes qui sont connectées déjà. Merci à tous là. Merci. Je vais être sûre que je suis bien centrée. Merci, merci à tous. Merci. Ouais. Ouais, je vais nous mettre une chanson tantôt, ou le temps d'aller prendre mon petit café et puis revenir. Waouh, comment allez-vous? Bien, j'espère. Ok, non, ma chérie. Bon, en fait, le trépied, il est penché. Donc, parfois, là, j'essaie de me battre avec ça. Vous me dites, là, je vais être bien cadré, là, pour vous. Et puis, Les sandwichs de beurre de merci. campagne sont faits avec des ingrédients nourrissants. Goûtez-leur. Ouais. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît, là. Oui. Mabo, comment tu vas, ma Délicieuse fille? saveur de fromage cheddar. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Yo, J'espère belle que tu vas Ivonesse. bien. Connectez-vous, le temps de vous connecter. Décale un peu. Mon Dieu, ce trépied-là, elle dit que je l'ai acheté cher, là. N'importe quoi. Vous me dites seulement. Merci beaucoup. Connectez-vous, les cœurs. Merci. Nina Olago. Omanayash. Oui, yo. Onik. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, mes impactés. Merci, les personnes qui me suivent. Merci. La star aujourd'hui qui fait remuer la toile. Hier, on avait dit on prononce pas mon nom. Aujourd'hui, on prononce mon nom. C'est ça. Je fais rien avec ça. Je prononce pas le nom de quelqu'un ici. Voilà. C'est ce qui est derrière qui fait souffrir. J'ai fait des directs. J'ai fait de nombreux directs. Ça n'a pas fait souffrir. La piscine a fait souffrir. La souffrance de la piscine, c'est ça. Bientôt là, la souffrance du spa. Merci beaucoup. Est-ce que je suis assez cadré là? Ma position est bonne. Merci beaucoup. Merci, merci. Maman, Rose Bombo, jusqu'à la gare. Maman, la piscine a fait souffrir. La piscine va faire souffrir. Je suis dans mon jardin, le jardin fait souffrir. Je suis là pour parler à mes personnes. Nanyo, ton enfant a eu affaire, mais c'est pas affaire. Makala, anyoni Merci beaucoup à tous ceux qui me suivent depuis le Cameroun, depuis le Burkina Faso. Merci beaucoup, maman. Aujourd'hui, le temps n'est pas assez chaud. Sinon, j'aurais fait la. Ça dit que le direct dans la piscine, ça, il fait pas assez chaud. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous adore. Edwige de Milan, ma nièce Chanel T, depuis ta position à Paris. Aïe, aïe, ma. Aïe, pour vos framponnages. L'impacteuse ne peut pas répondre parce que j'ai les mains liées. J'ai les mains liées compte tenu de mon environnement, compte tenu des gens qui m'entourent, compte tenu de l'avocat, M. Magadi, qui est à Abidjan. Monsieur Magadji dit, il y a des directeurs de cabinet qui me rencontrent. Monique, comment tu peux répondre? Tu as des directeurs. Tu es lié aujourd'hui à une firme d'immigration. C'est ça. Tu es lié à une firme d'immigration. Aujourd'hui, je suis venu à Abidjan simplement pour rencontrer tes impactés. Mais il y a des directeurs de cabinet qui me rejoignent pour dire l'impact. Comment on appelle ça, Monsieur Magadji? L'impacteuse nous a tellement convaincus. Je vais te rencontrer, mais discrètement dans mon bureau. Comment tu peux répondre? Tu ne peux pas répondre. J'ai les mains liées, mes impactés. J'ai les mains liées. Vous-même, vous connaissez ma parole.
Est-ce que vous n'avez pas confiance? Si vous avez confiance, mettez-moi des cœurs sur ce direct-là. Mettez-moi des cœurs. Vous avez confiance. Vous avez confiance, mes impactés. Mes personnes, comme je vous appelle. Je ne peux pas répondre. Je vais vous mettre Delta Group. Sapiou de Delta Group. Vous comprenez? C'est ça qui est la réalité. C'est ça la réalité. La piscine a fait souffrir. Je fais des directs, de nombreux directs à ce sujet. Ça n'a pas donné ça. La piscine, et la piscine fera souffrir. Et le spa fera souffrir. C'est ça qui est la vérité. Mode et ethnique de ma petite soeur, comment on appelle ça, Rukia Toudjenko, depuis ta position en Côte d'Ivoire, merci de m'avoir habillée, ma petite soeur. Aujourd'hui, je suis là pour parler des mères seules, des mères, c'est-à-dire que des veuves, des femmes qui se sont retrouvées toutes seules dans la vie. Moi, je suis là pour vous encourager à lutter dans la vie. Excusez-moi, je vais prendre mon café. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci pour les cœurs. C'est ça aujourd'hui l'affaire. Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous que je réponde? J'ai ma grande sœur. Que j'appelle ma grande hôte, qui est médecin à Vancouver. Médecin à Vancouver, demandez à tous ceux qui sont au Canada comment les médecins, on les met en haut. Qui est médecin à Vancouver, qui m'a envoyé une vidéo. Elle dit, elle m'a même pas envoyé la vidéo, elle m'a juste parlé. Quand tu vas voir la vidéo de telle, faut pas écouter. Désolée là, pendant que d'autres faisaient la prostitution, j'étais sur les bancs à l'Université de Montréal. C'est ça qui est la vérité. Et voulez-vous que je réponde à des gens comme ça? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pendant que elle faisait la prostitution, mon nom était inscrit à l'Université de Montréal. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Et pour votre gouverne là, je suis travailleur autonome. On m'appelle travailleur autonome au Canada. C'est ça qui est la réalité. L'environnement que je vous ai montré là, je reçois 12 enfants là-bas avec des employés. S'il vous plaît. Donc, on n'est pas dans le même jeu. Donc, je ne peux pas répondre. L'impacteuse ne peut pas répondre depuis sa position au Canada parce que l'impacteuse a les mains liées. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. L'impacteuse a quelqu'un derrière elle. Le mari que j'ai, c'est le mari dont toute femme rêve. Vous comprenez? C'est ce que je veux vous dire. Je ne peux pas rester dans les détails là. Vous comprenez? C'est juste ça pour vous, mes impactés. Parce que... Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Bon, aujourd'hui, d'abord, je vais dire merci à Mode Ethnique. C'est ma petite soeur, Rukia Toudjenko, qui m'a habillée. Ça fait longtemps. Le temps était très chaud à Montréal, donc la tenue ne convenait pas. Ce matin, quand j'ai vu qu'il y avait un peu de fraîcheur, j'ai dit, bon, je vais mettre cette. Merci beaucoup, ma petite soeur. J'ai vraiment apprécié. Ça me plaît. Chanel T, Edwige de Milan, merci à vous. Si vous faites le travail, c'est ça qui est là. Merci, je ne répondrai pas. Vous savez, moi je suis là, comme je vous dis, je ne suis pas une coach. Je ne suis pas une coach. Parce que d'autres, ce sont des coachs. Oui, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui sont des coachs. Moi, je ne le suis pas. Mais moi, je suis une impacteuse. Une impacteuse, c'est une personne de par ses connaissances qui t'apporte un message. Oui, j'apporte des messages. Je reçois des milliers de messages. Je reçois aujourd'hui, comme je vous dis, il y a M. Maradi qui travaille très fort à Abidjan, qui a reçu aujourd'hui, ça dit bon nombre d'impactés, qui m'envoient des messages. Vraiment l'impacteuse, tu es une impacteuse. À travers le consultant en immigration, on voit que tu n'es pas une Niamselé. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que juste ce monsieur qui nous reçoit, qui nous parle, qui se met à notre hauteur,
on comprend. Ça dit que tout ce que tu expliques, on finit par comprendre. Non, merci beaucoup. On ne peut pas descendre dans la vulgarité, désolé. Moi, je suis là aujourd'hui pour dire à bon nombre de femmes africaines. Oui, les femmes africaines, il faut que vous compreniez quelque chose. Quand on met sur l'extrait de naissance, enfant X, tu as eu un enfant avec quelqu'un, et puis parce que ce monsieur n'a pas voulu reconnaître cet enfant, il ne faut pas que vous ayez honte de ça. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous dire, vous les femmes africaines, les enfants que vous faites avec des hommes, oui, c'est vrai, aujourd'hui, le monde a évolué. Tu rencontres un homme, tu veux faire des enfants. Ah oui, le mot Nyamselé, c'est le mot magique, le Nyamselé. Et c'est ça qui tue. C'est la piscine bleue qui est en arrière qui tue. C'est ça qui est là. On ne peut rien faire avec ça. Bientôt, ça va être le spa, comme j'ai dit. Merci beaucoup. On me respecte, c'est ça. Je ne peux pas descendre plus bas que terre. Que voulez-vous? Je ne peux pas descendre plus bas que terre. Donc, vous faites des enfants avec ces messieurs-là. Et puis, ces messieurs vous laissent les enfants. Ils ne veulent pas reconnaître la paternité de ces enfants. Moi, l'impact que je suis aujourd'hui là, pour vous dire qu'un homme qui ne veut pas reconnaître la paternité d'un enfant, tu ne peux pas l'obliger. C'est pour ça que quand vous rencontrez ces hommes, dès le départ, il faut définir votre position. Tu rencontres un homme, tu aimes cet homme-là, tu te retrouves en cet homme-là. Il faut que tu aies le courage de demander à cet homme, est-ce que tu veux des enfants? C'est très important. Oui, c'est vrai. Moi, je dis que je suis pour la justice des deux côtés. Un homme qui ne veut pas un enfant, et puis tu lui imposes des enfants, ce n'est pas intéressant. Parce que quand tu lui imposes des enfants, il y a le revers de la médaille que tu vas avoir. C'est que cet homme-là, il va être distant, il ne va pas s'occuper de l'enfant, malheureusement. Mais on ne va pas tabler là-dessus, parce qu'il y a des femmes qui sont dans des foyers avec des hommes. Elles ont des enfants. Elles ont des enfants. Et ces hommes-là ne s'occupent pas des enfants. Moi, je les appelle des hommes irresponsables. Il faut que la femme africaine, tu vis avec un homme, ou bien ça dit que tu as eu un enfant, tu es tombé enceinte de cet homme-là, il ne veut pas reconnaître. Il faut assumer. Apprenez à assumer. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Assumez. Sécurisez le direct, s'il vous plaît. Assumez. Ça dit que faites à vos enfants. Tu as fait l'enfant avec cet homme. Il t'a abandonné avec l'enfant. Mais quand tu es en train de bercer ce petit bébé-là, tu es en train de le prendre dans tes bras, dis à cet enfant, moi je t'aime, je suis ta maman, c'est ce père-là qui t'a abandonné, c'est un père démissionnaire, c'est un père irresponsable. Appelez les choses par leur nom. Le temps où le père était mauvais, et puis on fait croire à l'enfant que son papa c'est Jésus-Christ ou bien c'est Mahomet, ou bien on fait croire à l'enfant que son père-là c'est quelqu'un de bien, ce temps est passé. Il faut appeler le chien-chien, il faut appeler le chat-chat. Vous faites des enfants avec des hommes irresponsables, des pères absents, des pères démissionnaires. Il faut que vous ayez le courage. On est rendu là aujourd'hui. Il faut que vous ayez le courage de dire à ces enfants-là que ton père, oui, la relation entre ton père et moi, elle n'est pas saine. Oui, la relation entre ton père et moi n'est pas saine, mais voici où ton père est rendu avec toi. Oui, il y a des hommes qui ont mauvais comportement avec les femmes. Oui, il y a des hommes qui sont ignobles avec des femmes, mais ils ont une très belle relation avec leurs enfants. Il faut que vous respectez ce côté. Ce n'est pas parce que tu as un problème avec le père, ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas avec le père que tu vas nécessairement dire que oui, il est mauvais pour ses enfants. Non, il y a des hommes qui ne sont pas corrects avec les femmes. Oui, toi, la femme, il n'est pas correct avec toi, mais il est correct avec ses enfants. Cet aspect-là, il faut le respecter. Moi, c'est le conseil que je suis là pour vous dire. Respectez cet aspect-là. Mais si c'est un homme, tu as fait l'enfant avec lui, et puis aujourd'hui, il te laisse avec cet enfant. Il te laisse à ta charge. Longtemps, nos mamans ont toujours mis ces hommes-là à un certain piédestal. On a toujours dit que non, l'homme reste l'homme. Non, je vous ai dit que sortez de ces mentalités, les femmes africaines. Sortez de là. Il y a des hommes aujourd'hui qui se disent que non, tôt ou tard, c'est mon enfant. Oui, on est longtemps venu avec cette parole-là. Oui, c'est mon enfant, il va me rechercher. Non, tu as fait un enfant avec un homme qui ne s'en occupe pas, qui a démissionné dans la vie de cet enfant, qui est un père absent. Il faut dès le départ, tu es en train d'élever cet enfant. Il faut déjà, ça dit que mettre dans l'esprit de cet enfant-là que son père, c'est un bon à rien. Son père ne vaut rien. Il faut le dire. Oui, je vous le dis. Les femmes africaines, comprenez ça. Le temps où on couvait le père, le temps où on a dit que non, c'est son papa, je ne peux pas le monter contre son papa, mais dis la vérité au papa. Est-ce que c'est monté? Non, ce n'est pas monté. C'est ça qui est la vérité. Des pères aujourd'hui qui sont en Occident,
quand ils se sont séparés d'avec des femmes, ils doivent payer des pensions alimentaires. Qu'est-ce qu'ils font? Ils démissionnent de leur travail. Ils préfèrent quitter la ville où il est et puis ils s'en vont ailleurs. Tout et tout pour ne pas payer la pension alimentaire. Ça, c'est correct. Moi, je préfère que tu ne travailles pas. Ça dit, nous deux, on paye. Ça dit, au moins, tu ne travailles pas là. On ne va pas les couper. Mais si tu travailles, on va couper dans ton salaire. Oui, je suis là pour que si désormais, toi, la femme, tu veux un enfant, tu es avec un homme, tu le rencontres. Oui, dis-lui que moi, je veux un enfant. S'il ne veut pas et que tu es responsable, c'est pour ça qu'on va toujours revenir à la partie où il faut être autonome. Ça vous prend de l'autonomie pour, ça dit que, pour pouvoir vous assumer. Si tu n'es pas autonome, comment tu vas t'assumer? Comment tu vas t'assumer? Il faut que vous soyez autonome pour que désormais, tu rencontres cet homme-là. Si tu vois que cet homme-là, il est en bizarre. Parce que ça dit que les relations floues se dessinent dès le départ. Les femmes, excusez-moi. Apprenez. Ça dit que apprenez à observer les femmes. On est rendu là. Apprenez à observer. Le temps où on rencontrait les hommes et puis on était euphorique. Oui, je l'ai rencontré. C'est un bon type. Il s'habille bien. Il est joli. Tout et tout. Non, ce temps-là est passé. Aujourd'hui, tu rencontres un homme. C'est pour ça que je dis aux femmes, quand vous rencontrez les hommes, prenez le temps, ça dit que d'observer la situation. Ayez ce qu'on appelle un champ de vision très large. Ayez ce qu'on appelle, si vous voulez, ici en anglais, le double check. Ça dit, tu regardes deux fois. Mais non, ne croisez pas cet homme-là. Et puis tout de suite, le discours que tu veux entendre là, lui va te donner ça. Il y a beaucoup de menteurs aujourd'hui. Ils enceintent les femmes. Ils n'assument pas leurs responsabilités. Et ces enfants-là restent pour compte. Moi, je suis contre ce phénomène-là. Tu es un homme. Si tu n'aimes pas la femme, c'est correct. C'est deux relations. Ça dit que c'est une relation entre deux adultes consentants. On n'est pas obligé de rester ensemble quand on ne s'aime plus ou bien quand l'autre ne veut plus de l'autre. Mais au moins, le fruit de tes efforts, cet enfant que tu as mis, il faut que tu t'en occupes. Mais non, ces femmes s'en occupent et ces hommes ne s'en occupent pas. Et des femmes en ont honte. Vous avez honte du fait qu'on dise que votre enfant n'a pas de papa. Mais l'enfant que tu as couché, le premier jour qu'il a fait le vagissement, on a déposé l'enfant là sur ta poitrine. Dis à cet enfant là que déjà à l'hôpital, le premier geste, murmure dans ses oreilles. Ton père a été absent durant la grossesse. Ton père, je ne l'ai pas vu. Déjà, tu mets ça. Tu es en train de bercer cet enfant. Dis à cet enfant-là, ce père-là, il est un père absent. Il est un père irresponsable. C'est ça qui est là. Mais ce n'est pas ce que vous faites. Vous restez, ça dit que dans la culture africaine, non, c'est le papa de mes enfants. C'est le papa de tes enfants. Oh. Il est le papa de tes enfants. Il est absent. Est-ce que c'est un père? Je vous ai dit que j'ai fait l'Université de Montréal. À l'Université de Montréal, j'avais une prof française, Suzanne, j'ai oublié son autre nom, Claudia Lamarène de Wendy, peut-être tu peux me rappeler, parce qu'elle aimait parler d'une pédiatre qu'on appelle Françoise Dolto. Françoise Dolto, c'est une psychanalyste française, elle était pédiatre. Elle traitait le sujet des enfants, elle traitait tout ce qui était attrait au développement global de l'enfant. Oui, c'est ça l'impacteuse. L'impacteuse, ça dit que c'est le côté intellectuel qui fatigue. C'est ça qui est la vérité. Mais Françoise Dolto a dit quelque chose. Un enfant en naissant transforme deux adultes en parents. Ça dit que ce n'est pas quand l'enfant est dans ton ventre là que tu es parent. Tu deviens parent quand l'enfant est né. Tu deviens parent au travers de tes responsabilités. Vous comprenez? Donc c'est à partir du moment où tu commences à assumer tes responsabilités en tant que père ou bien en tant que mère qu'on va t'appeler parent. On ne va pas t'appeler parent juste parce que tu as poussé à l'hôpital. On ne va pas t'appeler parent juste parce que c'est moi le père, parce que tu as tout un attribut au bas de la ceinture. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu deviens parent que lorsque tu commences, ça dit que l'enfant que tu as eu commence à te transformer. Il y a des gens ici qui ont dit qu'ils ne voulaient pas d'enfant. Mais dès lors qu'ils ont vu ce petit être-là à l'hôpital, ils disent oui, je ne voulais pas de cet enfant. Mais quand j'ai vu le bébé, ça, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Ça a créé un déclic en moi. Mais si tu es avec cet homme, tu as accouché, il n'a eu aucun déclic. Il est venu à l'hôpital, c'est comme, ça dit que le bébé est là, il le regarde comme un objet banal. Toi, tu vas considérer cet homme-là comme le père de ton enfant. Tu vas mettre cet homme-là en haut. Non, tu ne peux pas mettre cet homme. Arrêtez de mettre des hommes irresponsables en haut. C'est ce que moi, je suis là pour vous dire, vous les femmes africaines. Parce que le problème se pose avec nous. Le problème se pose avec nous parce qu'on a nos us et coutumes. C'est-à-dire, je ne sais pas comment dire le mot, mais qui ont une influence sur nous. C'est ça qui nous fatigue. Vous comprenez? Donc désormais, vous êtes avec ces hommes-là. Merci beaucoup pour les étoiles. Vous êtes avec ces hommes-là qui ne s'occupent pas de vos enfants. Commencez à dire aux enfants
que ce père-là, il n'est pas un père pour toi. Il n'est pas dans ta vie. Ce père-là, il t'a abandonné. Dites ça aux enfants. Vous savez, Françoise Dolto a dit une phrase que j'ai toujours aimée. Elle dit que l'enfant a toujours l'intuition de son histoire. Quand on dit l'enfant a toujours l'intuition, quand on dit intuition, ça veut dire que l'enfant, il imagine. Vous croyez que les enfants ne sont pas intelligents. Le petit cerveau, là, ça réfléchit à son niveau. Oui, Françoise Dolto a dit ça. L'enfant a toujours intuition de son histoire. C'est pour cela que la vérité doit lui être dite. C'est Françoise Dolto qui a dit ça. Allez taper dans les livres, s'il vous plaît. Donc, si l'enfant, et puis c'est cette, selon ce qu'elle a dit, c'est cette vérité-là qui va le construire. Donc, il faut dire la vérité à l'enfant. C'est ça qui est la vérité. Dites la vérité à vos enfants. Si tu as accouché cet enfant, que le père n'était pas là, l'enfant est né, il commence à grandir. Parce qu'il y a des enfants qui demandent, maman, il est où mon papa? Ou bien, maman, mon papa est où? Dis à ton enfant, quand tu as ton enfant dans la chambre, tu as ton enfant dans votre intimité, dis à ton enfant, ton père, je l'ai aimé, mais c'est juste qu'il ne veut pas faire partie de ta vie. Ainsi de suite, chaque fois que tu vas le dire, cet enfant-là, il aura cette vérité-là en lui et cette vérité-là va le forger. Mais non, ce n'est pas ça. On ment. Non, ton papa est parti ici. Non, ton papa. Même si tu as mis le nom de l'oncle, il faut dire à l'enfant que lui, ce n'est pas ton père. Lui, il n'est pas ton père, c'est mon oncle. Parce que ça dit c'est mon frère ou bien c'est mon tante. Parce que ton père a refusé de te reconnaître. C'est ça qui est la vérité. On a dépassé cette étape-là où on a toujours couvert les hommes, où on a toujours donné cette place prépondérante aux hommes. C'est fini ça. C'est fini maintenant. Aujourd'hui, là, nous, on est là pour mettre des hommes qui sont en haut. On est là. Des hommes qui ont un bon comportement, nous, on est là pour les mettre en haut. On ne peut plus être là pour dire que non, un homme reste un homme. Je vous ai dit que cette façon de réfléchir, un homme reste un homme, c'est des mentalités grégaires. C'est dépassé. J'ai travaillé dans un centre de petite enfance. Oui, aujourd'hui, pour créer ma business, j'ai travaillé, j'ai fait ma bosse ici à Montréal. J'ai travaillé dans un centre il y a comme 3 ou 4 ans de cela. Je vais dire 4 ans. Et il y a un frère ivoirien de Sucroix, oui, un frère africain. Moi, je surveillais, puisque là-bas, je faisais comme la rotation. Ça veut dire, je viens, merci beaucoup pour les cœurs. Je viens. Et puis ce jour-là, la titulaire qui était là derrière m'a aidé à donner le son. Elle m'a aidé à dire, ah, cet enfant-là, lui et le père, bref, les petits congossantes, nous les éducatrices. Elle m'a donné le son. Un jour, il y a un papier qui devait signer. Habituellement, c'est la mère qui vient chercher l'enfant le soir. Mais ce jour-là, c'est lui qui est venu chercher. Et il y a un papier qui devait signer. Moi, je sais qu'il vit avec la mère de l'enfant. C'est sa copine, ils ne sont pas mariés. Ils vivent ensemble. Mais je savais que l'enfant ne portait pas son nom. Et puis, pour votre gouvernant, voici pourquoi je vais toujours respecter le Canada. Qui respecte les droits de la femme autant que ceux de l'homme. Au Canada, tu accouches ton enfant, l'enfant peut porter le nom de toi, la femme, comme celui du père, ou bien vous de votre nom. C'est ça que la majorité de tous les enfants avec lesquels j'ai travaillé ou je travaille, il y a toujours le nom de la mère dedans. Parce qu'ils ont longtemps compris que les hommes, de par ça, ils ont matrisé les femmes. Ils ont eu de l'oppression sur les femmes. Donc, désormais, là, la femme, tu as accouché, tu as le droit de mettre le nom de ton enfant, soit en première position, en deuxième position, ou toi seul ton nom dedans. Bref, c'était une précision pour les ignorants, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, ce frère-là, il vient le soir, je lui demande, ah, ben vous devez signer le papier, tout et tout. Vous savez ce qu'il m'a dit? Non, hein, ma soeur, quand c'est quand ça devient ma soeur, hein, et là, il a su qu'il était, il voit, non, ma soeur, hein, le papier, je ne peux pas le signer. Maintenant, moi aussi, j'ai fait semblant, je mets un peu mon visage, lui, quand il a dit, ah, mais pourquoi, mais c'est ton enfant, pourquoi tu ne peux pas signer? Il dit, non, elle ne m'a pas encore reconnu pour me remettre dessus. Je dis, ah bon, elle ne t'a pas reconnu? Il dit non, elle ne m'a pas reconnu. J'ai dit, mais comment ça, elle t'a pas reconnu? Il dit non, quand on était enceinte, on a eu des palabres, j'avais abandonné. Et puis quand je suis revenue, elle a déjà mis son nom. Donc maintenant, il faut qu'elle me reconnaisse. Vous savez que ce que j'ai dit dans mon dialecte? Dans mon dialecte, on dit Kotia, moi, les bacs pas nous. Dieu merci. Comme c'est une Whitey qui t'a fait ça là, tu es en train de confirmer le code. C'est ça, un frère africain. On ne peut pas mettre. Ça dit que là, il fait Bella derrière la femme Whitey pour que maintenant elle mette son nom. Parce qu'au moment où elle était enceinte, il avait disparu de la circulation. Maintenant, moi aussi, dans mon affaire, j'ai dit ah, c'est pas grave, c'est qu'elle est sûre. Il faut jouer ton rôle. Il faut tout faire pour assumer, pour qu'elle puisse remettre ton nom. Il dit oui, c'est ce qu'elle fait. Tu ne vois pas que parfois même je manque des journées de travail pour venir chercher le petit. J'emmène le petit au parc, tout et tout. J'ai dit ah. Quand c'est de l'autre côté là, vous savez où aller jouer rôle. Moi, je suis là
pour vous faire comprendre que le monde, on s'en va en avant. On s'en va plus loin. Les femmes africaines, réveillez-vous. Le fait de dire non, vous allez courir derrière des énergumènes, des gens qui ne valent pas la peine, avec lesquels vous avez conçu vos enfants. Vous allez courir derrière eux pour qu'ils reconnaissent vos enfants, pour qu'ils puissent, ça dit qu'ils puissent mettre le nom de vos enfants. Non, dites désormais à vos enfants que désormais, voici comment tu es rendu. Moi, je t'ai aimé. Ton père, je l'ai aimé, mais il n'a pas voulu que tu t'en... Il s'est dit qu'il n'a pas voulu assumer ses responsabilités. Ce n'est pas de ma faute. Cependant, si vous êtes en Occident, que vous vous séparez avec des hommes, oui, je parle, partagez-moi ce direct-là. Oui, je sais que ces gens des directs, quand je les fais là, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, il va payer. Quand il va payer l'argent, pour qu'on ajoute son nom. C'est ça. Les choses qu'ils font aux femmes africaines au pays là, eux, ils pensent que ça passe ici. Ici, ça ne passe pas. Merci à vous, mes impactés. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. Pour que des gens comprennent que le temps a évolué. Les femmes, arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Arrêtez de courir après les hommes pour dire non, il doit reconnaître mon enfant. Il veut pas reconnaître l'enfant. Il veut pas reconnaître ton enfant. I don't care. Ça dit, tu t'en fous. Il veut pas reconnaître ton enfant, mais seulement que ça te prend une autonomie. S'il veut pas reconnaître cet enfant-là, les enfants, même qu'on ne reconnaît pas là, c'est eux qui deviennent demain quelque chose. Les enfants qu'on maltraite là, c'est eux demain là qui sont à la tête des familles. Oui, c'est ça. Les enfants qui sont uniques, qui sont, ça dit que qui sont comme, ça dit que des enfants, ce sont eux qui deviennent des enfants spéciaux. Donc n'ayez pas honte. Depuis où vous êtes, vous avez fait vos enfants être des hommes qui n'ont pas assuré, qui ont profité du mensonge pour vous avoir, qui ont fait tout ce qu'ils veulent, tout ce qui est ignoble. Sinon, voici un direct où je n'ai pas parlé, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Je suis en train de sujet, ça dit que je suis en train de traiter un sujet spécial qui m'a donné 1150 vues. Ça veut dire que l'impacteuse est rendue là-bas. Puis on a dit que quand tu ne traites pas le nom de quelqu'un, tu ne vas pas avoir assez de vues. C'est la réalité qui est là. Donnez-moi les cœurs si je suis dans la vérité. Merci beaucoup. Tu as fait la même fois. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci. Merci beaucoup. C'est ça qui est la vérité. Moi, je suis là pour que vous... Ça dit que qu'on arrête le mensonge avec les enfants. Je suis là pour que désormais, les femmes africaines se prennent en main. Pour que désormais, les femmes africaines comprennent que oui, cet homme-là, il n'a pas fait partie de ma vie. C'est pas grave. Je peux élever mes enfants seuls. Il y a des mères seules qui élèvent leurs enfants et les enfants sont propulsés en avant. Il y a des mères seules qui donnent une éducation. Oui, c'est très important de donner l'éducation de base. Parce que quand l'éducation est ratée là, ça ne donne pas bonne chose. Hein? Ça donne tout ce qu'on observe aujourd'hui. C'est ça qui est la vérité. Ne soyez plus là à vous appesantir sur votre sort. Ne soyez plus là à dire que mon enfant n'a pas de père. Ton enfant n'a pas de père, mais tu l'as conçu avec quelqu'un. Donc, si ce quelqu'un n'a pas voulu assumer son rôle, ce n'est pas de ta faute. Soyez fiers de vos enfants. Oui, soyez-en fiers. Dites à vos enfants déjà petits, quel type de père ce père-là il est. Dites-le. L'enfant va grandir avec ça. Demain, là, c'est plus à toi qu'il va rendre des comptes, mais c'est à son enfant qu'il va rendre des comptes. C'est ça qui est la vérité. Voilà, c'est ça. Faites en sorte que désormais, ces pères qui vous ont abandonné puissent rendre des comptes à leurs enfants. Oui, parce qu'on ne sait jamais dans la vie. L'enfant peut réussir. C'est là qu'il va venir maintenant gratter sa tête. Parce qu'ils sont nombreux. Ces pères ignobles. Ces pères irresponsables. Ces pères absents. Après, c'est venir gratter la tête sur la, devant son enfant. Pour dire, ah, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai regretté. Pour éviter ça là, expliquez tous les détails. Faites des livres que vous donnez à vos enfants. Expliquez à vos enfants qui sont ces pères là. Ces pères, ça dit que qui ont raté toute vocation. Oui, qui n'auraient pas dû être père. Comme je l'ai dit, on devient père le jour où cet enfant, ce petit être-là, tu l'as vu à l'hôpital, il a changé quelque chose dans ta vie. L'homme avec lequel je vis, c'est pas du Niam Sele. Ouais, je fais un petit briefing. Pour... L'homme avec lequel je vis, grande sœur Blandine, pour une fois, je vais dire ton nom dans ma vidéo. Kouma Blandine, depuis ta position à Angré, où tu vis. Je l'ai connu au hasard d'une rue, il gérait une cabine téléphonique. Il avait fini ses études. Il a fini ses études. Quand je passais avec ma copine, il a dit... Il a fait la kinésithérapie, pour ceux qui ne savent pas, Abidjan.
quand il a fini la je passais avec Blandine, il a dit waouh, j'aime ta copine là. Et puis bon, il a toujours paru jeune, c'est comme ça il est, les hommes vieillissent peu, les hommes ne donnent pas l'impression de vieillir. Donc il est venu me dire, ah Momo, le gars là, tu sais qu'il est fan de toi. Il dit, ah lui là même, toujours quand il passe, il me regarde, il est trop, son visage est un visage de jeune, comme moi, il fait quoi lui. Il dit, en tout cas, il m'a l'air sérieux. Et puis après, comme je vous ai dit, j'étais une commis voyage, je suis partie en voyage quand je suis revenue. Le temps que je suis en voyage, tout le temps, il voyait Blandine, de ma Blandine. Mais ta copine, elle est partie en voyage, elle est partie chez sa maman. Il dit, ah moi je l'aime d'être. Donc quand je suis venue, il dit, Momo, tu sais que le gars là, il est chaud. Hein? J'ai dit, ah oui, puis je suis allée le rencontrer. Un gars avenant. Seigneur, je te dis merci. Je demande à Dieu de donner, ça dit qu'un homme, comme je ne l'appelle pas le roi pour rien, donne un homme, ça dit qu'à toutes ces femmes qui cherchent un mari, ça dit toutes ces femmes qui cherchent un homme qui va les aimer, à toutes ces femmes qui veulent que, ça dit, dès que ça dit que l'expression de leur visage change, ils demandent, chérie, ça va? C'est ce qu'il est, cet homme-là. Quand j'étais enceinte de Wendy, je ne vais jamais oublier ça. Ça dit que c'est le plus beau souvenir de ma vie quand j'étais enceinte de ma fille. On a coupé l'électricité en gré. Mon mari m'a soufflé de 19h jusqu'à, comme on peut dire, jusqu'à 4h du matin. Il avait comme un petit éventail comme ça. Puisque on a soufflé le ventilateur, le courant ne marchait plus. J'avais chaud. J'étais quasiment rendue à quasiment 7 à 8 mois de grossesse. Et puis je faisais de la haute pression sur grossesse. Donc il m'a soufflé comme ça. Dans ma grossesse, il m'a soufflé jusqu'au petit matin. Quand je me suis réveillée, il dormait quasiment à côté de moi. Pour vous dire que qu'un homme désire un enfant, c'est beau à voir. Qu'un homme est bon pour toi, tu n'as pas besoin de faire une vie. Tu as dit que tu n'as pas besoin de te fatiguer, comme on dit. Qu'un homme là, c'est pour toi. Quand l'homme t'aime là, tes défauts, il essaie de les corriger. Mais quand un homme t'aime, il est fier. Cet homme-là, je suis très fier de lui. Je souhaite cet homme-là. Quand Carla, j'étais enceinte, lui, il voulait un garçon. Moi, j'ai dit, je voulais une fille. Quand on est parti à l'hôpital, il a dit, oh, il a même donné le nom de son petit garçon. Moi aussi, j'ai donné le nom de Carla Wendy. Et quand on est arrivé, on a fait l'échographie, c'était une fille. Il a fait sa mine comme ça. Le médecin a dit, il y a un problème. Il dit, non, moi, je voulais un petit garçon. Le médecin lui a dit que la petite fille qui est dans ce ventre-là, c'est elle qui va tenir ta main demain pour te conduire à l'hôpital. Moi, je suis à l'hôpital ici. C'est les femmes qui conduisent leur père à l'hôpital. Les femmes, les femmes là, elles sont mariées, elles sont dans leur foyer. Mais c'est elles qui envoient papa à l'hôpital pour ses soins médicaux. Les hommes n'envoient pas leur papa à l'hôpital pour des soins médicaux. Donc, bénis ta femme pour cet enfant-fille qu'elle a dans son ventre. Mon mari a changé. Quand Carla est née, il a créé une chanson pour elle. Quand on a cette chanson-là, ceux qui sont... Merci pour les cœurs. Ceux qui sont en gré, ils se rappellent de cette chanson. Qui est belle? Qui est belle? C'est bébé Carla. Comment elle est belle? Je ne sais pas. Pour vous dire que c'est intéressant. Quand un homme, ça dit que veut un enfant. Qu'un homme aime sa femme. C'est ça qui fait souffrir. C'est ça qui est la vérité. Moi, je souhaite que le bonheur à toutes les femmes. Je suis là pour que des femmes comprennent que tu n'as pas besoin, ça dit que de souffrir derrière un homme pour qu'il reconnaisse ton enfant. Ton enfant, fais ce que tu as fait. Retrousse-toi les manches, bats-toi pour que ton enfant aille de l'avant. Arrêtez de penser que le fait qu'on a mis X là, arrêtez même de mettre les X là sur les actes de naissance des enfants. Mettez vos noms, faites comme les femmes d'ici. Mettez vos noms sur le nom de vos enfants dont les pères n'ont pas reconnu, dont les pères ne veulent pas reconnaître. Et quand l'enfant grandit, tu dis déjà à l'enfant, c'est parce que ton papa n'a pas voulu faire partie de ta vie que j'ai mis mon nom. L'enfant va comprendre parce qu'il y a un lien. Pour que l'enfant puisse comprendre, c'est une question de lien. Ça dit que parfois quand je vous parle du sujet des enfants, vous voyez comment ça dit, ça va me chercher au plus profond de moi. Merci beaucoup pour les cœurs. Je suis un peu sous le soleil, donc je ne lis pas les commentaires. Dieu merci. Vous comprenez, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis là pour ne plus qu'une femme ait honte parce que le monsieur a refusé la grossesse. On dit que non, c'est parce que tu as une femme sans valeur. Ce n'est pas de ta faute si le monsieur a refusé la grossesse. Ce n'est pas de ta faute. N'ayez pas peur pour dire non, comme je n'ai pas encore eu un homme, je n'ai pas fait un enfant. Tu n'as pas encore eu un homme. Si tu as une situation, tu as croisé quelqu'un au hasard d'une rue, n'attendez pas les mariages pour faire des enfants.
Arrêtez d'attendre le mariage pour faire des enfants. Ce qui est le pire dans la vie d'une femme, c'est le fait que tu peux avoir un enfant et puis tu as traîné jusqu'au moment où tu commences à tomber dans un certain âge, il y a des complications. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on mange dans la société, pour faire des enfants, c'est difficile. Si tu croises un homme et que tu vois que bon, toi tu as ta petite situation, lui il est dans le discours de « je ne veux pas faire enfant », toi il faut faire. Si on veut, on n'a qu'à dire on l'a piégé. Hein? Parce que quand tu es en train de faire avec la femme là, tu t'attendais à quoi? Ah, quand tu es en train de faire, puis et puis quand se sont croisés là, ça veut dire qu'un enfant va sortir dedans si toi tu n'as pas pris tes précautions. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas t'attendre à ce que je t'ai piégé. Non. Faites vos enfants. Faites au moins un. Un là, tu as quête jusqu'à là. Tu peux t'arranger avec. C'est quand tu n'as pas de moyens et puis tu t'en fais trois, quatre, c'est là que ça devient compliqué. Sinon, moi, je n'ai rien contre les femmes qui font cinq enfants, qui font six enfants. Même en Occident ici, les femmes Haïti aussi, elles font beaucoup d'enfants et puis elles vivent sur les allocations. Donc, les femmes, vous qui êtes en Occident, qui faisiez beaucoup d'enfants, moi, je vous supporte. Hein? Je vous supporte parce que ce que je condamne, c'est le fait que tu fais beaucoup d'enfants et tu ne t'en occupes pas. Mais si tu peux faire tes nombreux enfants et puis tu t'en occupes, il n'y a pas de problème. Nous autres, on cautionne ça. Donc, désormais, ne restez plus là à attendre ces hommes-là pour qu'ils viennent faire la pluie et le beau temps dans vos vies. C'est ça mon message aujourd'hui à l'encontre de toutes ces femmes. Donc, si tu es en Occident, tu as fait 6 enfants ou tu as fait 10 enfants, ça veut dire que tu sais comment t'orienter. Je connais beaucoup de familles ici, proches de moi, qui ont de nombreux enfants, qui prennent soin de leurs enfants. Ce que je n'aime pas, c'est quand on fait et puis on ne s'en occupe pas. Les Whitey, je le répète, font enfant ici. Elle ne travaille pas. Elle s'occupe bien de son enfant. Où elle allait là pour s'occuper? C'est là que le gouvernement donne. Donc, mes chères soeurs africaines, vous qui vivez en Occident, partagez ce direct là pour que ça rentre dans les oreilles des femmes. Partagez. Quand tu as fait enfant à cause d'allocation. On fait enfant à cause d'allocation. Quand on est en Afrique, là, les nombreux enfants qu'on fait là-bas, c'est à cause d'allocation. Faites vos enfants à cause d'allocation, mais planifiez les choses. Planifiez, faites des comptes d'épargne pour vos enfants, pour que demain, là, quand ils arrivent devant, ils puissent, comment on appelle ça, se réaliser. Le problème avec de nombreux enfants, c'est qu'il y a des plaisirs que tu ne peux pas te faire. Ça, c'est clair. Mais si toi, tu te dis non, moi, je laisse mes plaisirs et puis je vais m'occuper que de mes enfants, c'est correct. Donc, les femmes blanches, là, elles font enfant ici à cause d'allocation. Donc faites vos enfants. Ne restez pas dans le fait de « je n'ai pas encore eu l'homme qu'il me faut ». Aïe, elle s'est pour un enfant, il y a fait de l'homme qu'il me faut. Il n'y a pas question de l'homme qu'il me faut. Lui que tu as croisé aussi là, toi aussi tu peux te planifier. Tu fais ton mougoupan sur lui. Ça c'est bon quand tu travailles. Tu fais ton mougoupan sur lui aussi là. Grossesse est sortie là. Tu l'avises pour lui dire que « ah, je suis enceinte ». S'il dit que non, tu ne m'as pas dit « ma chérie, tu fermes sur lui ». Au moins là, tu as ton enfant. Parce que imaginez-vous, tu as atteint la cinquantaine, tu as atteint un certain âge, et puis tu arrives, tu n'as pas au moins un enfant. Ça peut créer un déséquilibre, parce que ce n'est pas ce que tu as voulu. Cependant, il y a des femmes qui choisissent de ne pas avoir d'enfant, surtout en Occident ici. Mais du côté de nous, les femmes africaines, il faut être honnête, quand même, on aime ça avoir un enfant. Donc, je vous encourage à désormais prendre le rôle du père et de la mère. Mais dans ce rôle-là, dites la vérité à vos enfants parce que, comme a dit Françoise Dolto, cette pédiatre psychanalyste, la vérité, quand elle est dite à l'enfant, elle est bien parce qu'elle construit le comportement de l'enfant. Désormais, quand tu lui as déjà dit qu'il n'a pas d'enfant, il n'a pas de papa, même quand il est parmi ses amis, son comportement est déjà forgé, le caractère est déjà formé. Il sait que sa mère lui a déjà dit, il a un sentiment de sécurité parmi ses amis. Il peut dire à ses amis, moi je m'en fous, j'ai pas de papa, je m'en fous. Mais quand vous ne dites pas, l'enfant reste timoré parmi ses amis parce qu'il ne comprend pas pourquoi il n'a pas de papa. Alors que ce père-là a décidé de démissionner. Ce père-là, il est allé dans d'autres jupons. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Voici la vérité. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que les tests disent. C'est ce que des écrivains. Allez-y lire les romans de Françoise Dolto. Elle l'a expliqué ça clairement et c'est la vérité. Aucune femme ne doit avoir honte de dire à son enfant que ton père ne t'a pas reconnu. Ayez le courage de dire à ces femmes. C'est pour ça que je veux que vous partagiez cette vidéo pour que désormais ces femmes-là puissent sortir de cette mentalité-là. Ces femmes-là puissent sortir de ce silence-là. Oui, parce qu'il y a des femmes. Il y a des femmes qui vivent
dans ce silence. Voici pourquoi l'esprit, oui, je suis africaine, mais j'aime l'esprit occidental. Elles ont le courage, même quand elle a été victime du viol, parce que l'enfant ne peut pas comprendre pourquoi ce père-là et toi, ça ne matche pas. Mais à un moment donné, quand l'enfant commence à grandir, oui, la vérité, elle doit être dite à l'enfant. Mais il y a des mots qu'on utilise pour essayer d'apaiser l'enfant. Il ne faut pas brusquer l'enfant avec des mots. Vous trouvez les mots justes, oui. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le mot absent. Il a décidé d'être absent dans ta vie. Quand l'enfant va grandir, il va finir par comprendre ça. Oui, des mères même aujourd'hui qui ont été victimes de viol, elles sont tombées enceintes. Elles arrivent désormais à expliquer le contenu à l'enfant pour lui dire « Voici dans quel contexte je t'ai eu. Mais moi, je suis ta mère. Je te donne tout l'amour que je veux. Je te donne tout l'amour que je peux. » Donc, il faut retenir le positif. Ça va essayer de construire cet enfant-là. Cet enfant-là, il va grandir avec une forte estime de soi. Parce que l'enfant auquel on a menti longtemps, sans vous en rendre compte, vous brisez l'estime de soi de cet enfant. Oui, c'est ça. C'est comme des enfants qu'on a adoptés. On a fait croire que oui, c'est moi qui suis ton parent. J'étais accouché à la maternité de Aouyansou. Ou bien j'étais accouché à la maternité de Dalouakro. Alors que tu n'as pas accouché l'enfant. Alors pourquoi mentir? Quand on adopte aujourd'hui, les tests ont montré, ça dit que les statistiques ont montré, l'enfant en train de grandir, il faut commencer à le préparer tranquillement. Oui, c'est vrai, j'avais besoin d'enfant, mais j'étais adoptée, voici. Quand l'enfant même va voir l'amour que tu lui donnes, tu n'avais pas besoin d'avoir peur pour dire, est-ce que si elle lui dit, il ne va pas m'abandonner? Non. Déjà là, je vous ai dit que l'amour entre un enfant et une mère, ça dit que c'est l'amour qui compte. Ce n'est pas le fait que tu l'as poussé à l'hôpital. Ce n'est pas ça qui fait. C'est l'amour qu'on donne là qui crée le sentiment entre un enfant et ses parents. Mais si déjà tu as commencé à dire à l'enfant, tu as commencé à dire, c'est pour ça que j'encourage ces femmes-là qui ont de la misère, qui ont des difficultés à avoir des enfants. Si vous voyez que l'âge commence à avancer, pensez à une adoption. Vous prenez un tout petit bébé, vous lui donnez de l'amour. C'est l'amour qui va définir la relation future. Sinon, comment vous pouvez comprendre qu'il y a des enfants qui font du mal à leurs parents aujourd'hui? C'est ça, c'est une question d'amour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, les Occidentaux, quand ils veulent adopter, ils adoptent des enfants noirs, des enfants chinois, des enfants... Là, il n'a même plus besoin de dire à l'enfant que c'est moi qui t'ai accouché, c'est pas moi qui t'ai accouché. L'enfant grandit avec cet esprit-là. C'est ça qui est la vérité. Donc aujourd'hui, pour risque de me répéter, je suis là pour que désormais, vous compreniez que n'ayez plus honte. Femme africaine, tu ne dois plus avoir honte de dire à cet enfant que tu as conçu que ton papa n'a pas voulu de toi. Il faut dire, là, demain, là, il va rentrer. Ça dit que son père va venir pour demander des comptes. On ne sait jamais. L'enfant peut devenir une grande... On voit ça avec les trucs américains ici aujourd'hui. Maintenant, les pères, maintenant, ils sont là, ils font pitié dans les coins là-bas. Mais tu fais pitié aujourd'hui, hier, là, quand la grossesse était là, tu avais fait Django. Alors que Django sera souffert vers la fin. Vous comprenez? Tu as fait Django. Vers la fin, Django sera souffert. C'est ça. On ne fait pas Django parce que l'enfant qui est en train de naître, tu ne sais pas ce que l'enfant va devenir. On doit accompagner une femme, même si tu ne veux pas. C'est pour ça que dans l'une de mes vidéos, j'ai dit aux femmes, l'enfant que ton mari a conçu dehors, oui, c'est ça. Ça dit qu'une trahison, c'est douloureux. Ce n'est pas quelque chose à accepter. Vous comprenez? Donc, l'enfant que le mari a conçu dehors, ça prend un processus. Si ton mari a fait l'enfant dehors, qui dit je m'en fous de toi, ou bien il s'en fout, donc là au moins, tu peux refuser. Mais si tu sais que tu as un cœur compatissant, tu sais que cet enfant-là, et puis ce que vous oubliez, quand l'enfant est dehors, là, l'argent va plus dehors. Quand l'enfant est dehors, là, ça crée encore le lien entre celle qui est dehors et puis toi, et puis ton mari. Donc ce que tu fais, tu essaies de, ça dit que, comme on dit, tu essaies de te surpasser. Et quand tu t'es surpassé là, tu essaies de voir si tu peux accepter. Mais ça prend un processus de deuil. Et le processus de deuil passe par la communication et le pardon. Ce mari-là, il faut qu'il vienne te parler. Ma femme, c'est vrai, je sais que j'ai fait mauvais. Je te demande pardon. Le bébé que j'ai fait dehors, il faut le prendre pour que vraiment on soit bien. Et puis toi, la femme, quand tu as pris cet enfant, s'il vous plaît, il ne faut pas que quand on rentre dans la maison déjà, on sache que l'enfant n'est pas de toi.
C'est ça. Moi, c'est avec ça que j'ai de la misère. On rentre dans, on va rentrer dans ta maison. On sait déjà que c'est pas l'enfant, c'est pas ton propre enfant. On sait que c'est l'enfant de ton mari. Si tu peux pas, tu dis à ton mari non, ça c'est trop fort pour moi, je peux pas. Mais si tu peux, ça dit que tu essaies de faire un effort. Tu prends les enfants au même titre. Mais quand tu es en train d'élever cet enfant-là, ne t'attends pas à quelque chose. Élève-le comme on élève un enfant. C'est qu'il est sûr, il a sa mère dehors. Toi, tu n'es pas sa mère. Mais tu l'élèves vraiment comme tes enfants. C'est de ça. Mais vous ne pouvez pas empêcher ces hommes-là d'aller. Ça dit que ces hommes-là, de s'occuper des enfants qui font dehors. Ces femmes qui font ça, moi, je suis contre ça. Toi, l'homme, tu vis avec une femme, tu as fait un enfant dehors et elle t'empêche d'aller, ça dit que s'occuper de l'enfant que tu as fait dehors et cet enfant-là est laissé pour continuer. Mais qui va s'occuper de l'enfant? Merci pour les étoiles. Qui va s'occuper de l'enfant? Hein? Les adultes ont posé leurs actes et puis c'est l'enfant qui est en partie. Non, il faut que ce père-là, il puisse s'occuper. Toi, la femme, il faut être du genre, moi, je ne veux pas que peut-être l'enfant vienne chez moi, mais il faut que tu t'en occupes. Il faut que, ça dit que celui qui est l'auteur de ses actes puisse assumer jusqu'à la fin. Voici le but de mon direct aujourd'hui. Pour conclure, les femmes, restez toujours fortes. Hein? Restez fortes. Un Africain ici qui a dit que, en tout cas, elle ne m'a pas encore mis sur la liste. J'ai dit, mais elle ne vous a pas mis sur la liste. Comment? Il dit, non, elle ne m'a pas encore reconnue. Hein? Toi, Africain, on ne t'a pas reconnue. Parce que tu étais parti. Maintenant, tu es venu là. La femme Haïti, elle a serré sur toi. C'est ça qui est la vérité. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. L'impacteuse est occupée. Vous me voyez. J'ai rendez-vous avec deux enfants d'un médecin indien auquel je donne des cours de français. Donc, je m'en vais là-bas. Comment voulez-vous que je réponde? Non. Merci. Sur ce, prenez soin de vous. Bisous à vous. Et puis, merci pour ces 1000 étoiles que vous m'avez envoyées dans mon direct. Je vous suis infiniment gré. Merci, ciao.